Bonjour, donc je m'appelle Arnaud Labrousse, je suis enseignant-chercheur, maître de conférences, plus précisément en biologie à l'université Paul Sabatier. Mon métier est double en fait. J'ai d'une part des missions de recherche, donc associé à une équipe de recherche où je conduis des expériences dans le cadre d'un projet, soit en tant que chef de projet, soit en tant qu'associé à un projet conduit par quelqu'un d'autre. Et l'autre casquette, l'autre pan de mon métier, qui est complètement différent, c'est de transmettre des connaissances et donc d'enseigner en licence et en master à l'université Paul Sabatier. Le point commun entre ces deux casquettes étant la biologie. Alors dans l'équipe, on s'intéresse à un type de cellules sanguines qui sont des cellules de l'immunité qu'on appelle les macrophages. Et donc on essaie de comprendre comment ces macrophages participent d'une part à la défense de l'organisme, mais aussi comment, des fois, dans certaines pathologies, ces macrophages se retournent contre nous pour essayer, à terme, de trouver des nouveaux médicaments. Dans mon cas, moi, je suis rattaché à un sous-groupe de l'équipe qui est dédié au rôle des macrophages dans le cancer. Parce que les tumeurs solides ont tendance à détourner le rôle bénéfique des macrophages à leur profit. Et donc, dans ce cas-là, les macrophages deviennent toxiques, entre guillemets, pour notre organisme. Et sinon, en enseignement, j'enseigne la biologie cellulaire, principalement au niveau licence, en deuxième année de licence, et un peu en master. Et c'est un aspect de mon métier qui est complètement différent de la recherche, puisque l'idée, c'est de transmettre en étant pédagogue le plus possible, en essayant de motiver et d'intéresser les étudiants. L'intérêt de la double casquette d'enseignant-chercheur, c'est de pouvoir partager avec les étudiants des anecdotes de recherche dont ils sont très friands. Et j'ai en plus la chance d'enseigner une discipline qui est très proche de ce que je fais au laboratoire. Donc c'est très facile pour moi et ce n'est pas le cas de tous mes collègues. Alors ce que je souhaite pour l'aspect recherche de mon métier, c'est qu'on continue à avoir suffisamment d'argent pour fonctionner et à intéresser les étudiants pour qu'ils puissent rejoindre l'équipe, puisque c'est des forces vives qui permettent de faire avancer les expériences de façon efficace. Et du côté enseignement, mon souhait le plus cher, ce serait qu'on donne plus de poids à la pédagogie et qu'on arrive à dépasser un peu cet enseignement de masse qu'on est obligé de faire pour aller vers des enseignements plus, j'allais dire, individualisés, même si je comprends que c'est difficile puisque les étudiants sont très nombreux.